Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coaching. Alors aujourd'hui, on va faire du gainage et dupliquer les exercices pour bien les appliquer en fait sur le vélo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer par 5 minutes d'échauffement. Allez, c'est parti, on y va. 5 minutes d'échauffement, tranquille. On tourne les jambes tranquillement pour faire chauffer le cœur. Et ensuite, on réalisera les petits exercices de gainage que je vais vous proposer. Donc vous mettez sur une résistance assez souple sur votre entraîneur. Voilà, pour faire tourner les jambes, avoir le cœur qui monte, être déjà échauffé. Donc ça reste toujours très important. Et dès lors qu'on aura terminé l'échauffement, on va tout de suite mettre en pratique les exercices. Donc ça va démarrer en fait par l'élève ventrale pendant 30-35 secondes. On suivra par le gainage latéral. Chaque côté. Pareil, on garde le même temps entre 30 et 35 secondes. Et ensuite, on fera des burpees, donc 10 burpees, des fentes sautées. Et on transmettra donc du coup tous ces exercices qu'on a fait au sol sur le vélo. Par 2 minutes de vélo avec 2 sprints en vélocité. Toujours bien d'avoir de la musique en fond. Qu'est-ce que vous voulez, ça peut être marrant. Et puis ça va pas tout de suite passer le temps. C'est un bon petit conseil. Donc pareil, quand on terminera l'échauffement, on laissera les chaussures sur le vélo en fait. Du coup, pour ceux qui font du triathlon, c'est toujours sympa, ça peut permettre de travailler les transitions. Donc même là, si j'ai pas les chaussures de triathlon, vraiment type triathlon, voilà, ça permet d'essayer d'enfiler ses chaussures rapidement pour pas perdre de temps au sol. Faut pas vous détromper, hein. Je suis bien en France, je ne vais pas se méfier du petit palmier. C'est sûr que le cadre est sympa. C'est mieux d'être dans son garage. Si vous avez la possibilité de mettre votre home trainer à l'extérieur, ce sera beaucoup plus simple et agréable du fait de l'air et de pouvoir s'oxygéner. Donc également une chose, pensez à régler votre résistance à la fin de l'échauffement sur la résistance de sprint que vous allez faire. Ça vous évitera de perdre du temps et d'être tout de suite dans l'exercice. Donc personnellement, là sur mon Wahoo, je le mets à 20%. C'est suffisant. Mais vous pouvez adapter suivant votre niveau, votre forme. Voilà. Faut mettre plus, faut mettre moins. L'essentiel, c'est d'être en sprint. Garder soit en travaillant la vélocité ou en sprint en force.
encore une petite minute. Donc là, je me suis mis sur la résistance sur laquelle j'aurai après. À détacher. Hop, les chaussures. Donc on va démarrer par le gainage ventral. Allez hop, on y va. Allez, 35 secondes, 30-35 en gainage ventral. Sur une cheese ball. Les coudes sur la Swiss ball pour avoir un effet de déstabilisation. Le dos droit plaqué. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Pensez bien à souffler. Swiss ball, le regard droit est 30 secondes. Donc maintenant pareil avec le Swiss ball, le dos plaqué, on va faire un espèce de pont, hop, et on maintient le dos droit, plat, voilà, pour faire travailler encore le gainage, les lombaires, les abdos. Allez, 30 secondes. Terminé. Maintenant on va faire des chandelles, le dos plaqué contre le sol et on va chercher haut avec ses pieds, hop, et allez, on en fait 20.
Et on enchaîne avec des pentes sautées. Sur vélo, on enchaîne, on enfile les chaussures, allez hop, 30 secondes avant d'enchaîner les sprints. Donc, là, 30 secondes. Un peu plus souple. Répétez ce circuit là 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire plus si vous avez la pêche. Déjà 3 fois ce sera pas mal, vous verrez. Prenez le temps que vous voulez entre les séries, les récup, quitte à refaire un peu de vélo. Et enfin voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte KinoMap. Je vous proposerai d'autres vidéos de coaching. Voilà, si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas, vous pouvez même laisser un commentaire.
Essayez de réaliser l'exercice, voilà, du mieux que vous pouvez. On n'est pas là pour faire de la compète, hein, c'est là pour regarder sa forme. Merci pour votre suivi, entraînez-vous bien et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos de coaching. Bye bye!